de lever ma tête pour dire que la nuit, j'ai fini marcher sur toi. Amen. Donc, il y a la révélation qu'un homme de Dieu a, et c'est en fonction de ça qu'il met son ministère. Quoi, la compagne? Oui. Donc, ce n'est pas la peine d'attaquer le système. Est-ce qu'il y a un résultat? C'est le point d'interrogation. Parce que ce qu'on veut faire, c'est le résultat qui est là. Que ça soit approbation, peut-être. Mais est-ce qu'il y a un résultat? Oui. S'il y a un résultat, pourquoi la tabacade? Là, vous savez ce que tu lui as dit. C'est ça le problème. Entre lui et Dieu, il y a quelque chose, ils ont dit. Ça pourrait être fait. Tout ça va te paraître bizarre. Lui, il fait sa marche. Moi, non, c'est le Nidane. Non, c'est-à-dire que. Mais ça marche. Il est fait. Ton problème est où? Il c'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça? Il pouvait faire ça, non. Il pouvait faire ça, non, là. Alors, moi, je fais ça, confession publique. Amenez quoi, il voit instant. Tu parles. Instant. Tu permets aux gens de comprendre que ça existe, la société. Parlez quoi, vous avez un, vous avez un noir. Et en même temps, c'est biblique. Dédicons-moi. Lisez-moi là, lisez-moi ça. Dans Jacques 5, verset 16. Amen. Jacques 5, verset 16. Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Regardez ma version qui est la version parole de Dieu. Il dit, alors, reconnaissez vos péchés. Vous comprenez? Les uns devant les autres. Il n'y a pas une autre interprétation. La Bible est traduite en trois langues. L'Ancien Testament, c'est en grec et plutôt en araméen. Araméen. Et puis en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Mais aujourd'hui, la meilleure version aujourd'hui, c'est parole de vie. Mais à nous, pour moi, les paroles de vie. Comprenez un peu pour ceux qui parlent en grec. Il dit, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Donc, le sorcier, quand il vient vous dire, okay. Voici ce que j'ai fait. T'as libéré le monsieur, parce que c'est la parole. Et quand il dit, je lui délibère, il t'a libéré. Donc, allons-y. La suite. Priez les uns pour les autres. Après l'avoir reconnu, afin d'être guéri. Afin d'être guéri de cette maladie. Amen. Vous avez compris qu'il y a trois étapes. La reconnaissance d'abord pour reconnaître. Il était l'état de la prière. Mais les gens, ils attendent d'abord. C'est ça que ça marche pas. Mais ce qui est intéressant chez nous, après avoir fini de prier, il a prêté le serment. Le serment, le prêtre devant Dieu. Il a pacté le serment. Pacte avec le diable. On peut rompre les pactes. Mais on ne rompt pas les serments. C'est pour ça qu'il y a des gens de la République à qui viennent prêter serment devant Dieu, dit Jésus devant Dieu. Et quand tu te comportes mal, on te chasse. Quand tu violes ça, il y a problème. Quand tu finis, on va se construire sur toi. Tu prêtes serment. Et c'est dans la main. Alléluia. On ne doit plus. Ne voyez pas les sorciers comme des gens qu'on doit brûler. En principe, les sorciers ne doivent pas le brûler. Vous avez une patte en avoue ici. C'est là en difficulté de lever la main. J'ai dit, vous comme les sorciers, on ne doit pas le brûler. On une patte en avoue ici, hein? Il ne va pas tout le monde, il ne va pas tout le monde. Il est malade. La première, il a meurt. L'esprit est là. Ok, vous. Il est malade, donc il faut le débarrasser de ce démon. Le Oni Oyani, il est là, deux bleus quoi. Donc, vous voyez, il est comme des malades. Ils ont besoin d'une guérison. Guérison qui est la délivrance. Mais les livres disent d'ailleurs. Amen.
Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On va s'occuper de nos malades. Anna, plus une main, Anna, moi, quand. Il y a des idées. Ceux qui sont sorciers. Mais. Ceux qui sont sorciers, mais. Monsieur, et puis tu as accepté. Non, c'est forcé, on m'a dit forcé. Donc, on dit forcé, avec toi. Moi, je ne veux pas sortir. On te dit forcé, puis toi, tu acceptes. Mais on me condamne déjà forcé. On veut quoi? On dit, je suis sorcier. Donc, comment je vais? Tu as accepté. On me force déjà. Et puis tu as accepté. Je dis non, on me dit forcé. Vous amusez-vous les sorciers. Quel monsieur? Je dis non. Je dis, moi, il n'est pas sorcier. Il est ici. Il est ici. Lui qui t'a dit ça, il est ici. Il a gagné là-bas. Il a gagné là-bas. Il a gagné là-bas. Oui, mais maintenant, toi, tu fais quoi ici? Quelqu'un qui a gagné là-bas, toi, tu fais quoi ici? Non, on dit. Non. Celui le dit qui t'accuse là, il a gagné là-bas. Voilà. Il a dit les deux. Oh, monsieur, pardon. Je ne suis pas en train de faire de coq à l'âne avec vous. Vous dites que vous n'êtes pas dedans, vous force. Voilà. Pourquoi tu fais quoi ici? On vous a forcé venir ici aussi. Non, on vous a forcé venir ici. Quand tu dis on t'a forcé, tu te mènes avec les sorciers. Tout à l'heure, j'ai demandé, quels sont ceux qui sont sorciers, tu es venu t'arrêter. Ah non. Je n'étais pas intéressé. Je n'ai pas dit monsieur, venez parce que tu es sorcier. Non, écoute très bien. Ce que j'ai dit là, je ne parle pas comme un fou. Je ne suis pas bête. Quand tu parles, je te parle que je suis clair. Je ne parle pas comme bête. Je dis un. Tu peux nier, ça c'est n'engage que toi. Moi, j'ai dit que tu es sorcier, mais je ne vais pas te forcer. Tu es libre d'être dedans et puis de quitter dedans. Moi, là, j'ai un détecteur dans ma tête. Moi, là, je sais que tu es sorcier. Ça se discute même pas même. Je n'ai pas obligé, mais je veux voir si tu as envie de quitter dedans. C'est tout mon problème. Ben, si tu n'es pas sorcier, tu vas venir ici. Attends. Fais quelque chose, tu n'es pas dedans, tu viens pas. Tu m'en as pas attaché. Attends, t'as l'air de venir ici. Attends, attaché. Quelque chose, tu n'es pas dedans, tu viens pas. Et puis, tu te retrouves dans la maison là-bas, tu l'as reconnu ça. Devant moi, je t'ai reconnu. C'est pas ça. Et puis, tu as dit, monsieur, aidez-moi. Tu m'as pas dit ça. Ah, attends. Non, tu l'as commencé. Tu l'as sorti, tu jures. Il n'a pas eu de tuer. On vous promet, mais plus bien joué. Moi, je connais pas ici les sorciers. J'ai déjà dit, sors de mon bureau, voilà. J'ai dit à ta fille, pardon, faut m'aider, monsieur, voilà. Oh, monsieur. C'est la même chose qu'on a dit. Tu as dit, j'ai dit, ok, faut quitter mon bureau. J'ai dit, pardon, voilà. Tu ne vas pas demander pardon? Pourquoi? Vous ne pouvez pas nous dire, sorcier. Vous ne pouvez pas la dire, tu veux pas quoi? Non, je pas sorti. Oui, vas-y. Oh, maman, non, il y a mon ennemi qui m'a mis tout à côté. Il m'a dit comme ça, je n'ai rien. Non, je n'ai pas sorti. Tu vas regarder tout, même. Tout, mais je n'ai pas sorti. Mais sinon, il a la vie. Faut pas agresser moi. Faut pas agresser moi. Faut aller t'asseoir. Laissez-le. Ici, on ne force pas quelqu'un, laissez-le. Oui, on ne force pas. Qui est sorcier? Vous voulez être délivré? Hein?
toi, tu as déjà mis les paris. Oui, on a fait ce pari. Ton parent n'a pas payé. Il n'a pas encore payé. Ton parent n'a pas payé. Vous avez lui, mais. C'est la paix à plus de lui, là. Hein? Mais après, là, on a besoin de ça. Oh. Qui veut parler? Oui, viens, viens, toi, viens. C'est toi qui écoutez à Vivo là. Vous êtes sorcier, vous reconnaissez. Vous reconnaissez. Vous reconnaissez. Vous voulez qu'on vous délivre. Toi, tu reconnais. Comment tu t'appelles? Hein, pardon. Jean-Daniel, je m'appelle. Tu es sorcier. Qui t'a donné? Ta tante. Comment t'as donné ça? On s'éteint, hein, Vera? Oui, mais comment? Quand je dormais, et puis on m'a donné la nourriture. Comment t'as su que c'était la chair humaine? Quand il a mangé. Tu t'as volé, ça va dire quoi? Quitte ça, quitte ça, quitte ça, quitte ça. Faut couper. Comment? Quand il m'a donné, j'ai eu des ailes. Hein? Comment? Faut expliquer. Quand elle m'a donné, elle m'a fait parler dans les. Non, elle explique. Elle t'a donné ça comment? Il s'est passé comment tu as eu des ailes? Non, tu expliques pas bien. Elle t'a donné la sauce, non, pas ta main, elle est les ailes. Hein? Après. Ça veut dire quoi après? Le lendemain, elle est venue me chercher. C'était où? C'était à la maison du chef. Ah ah, c'est chaud quand je vais te l'expliquer. Donc, tu es dans la maison, tu dormais, ils sont venus te chercher. Ils sont allés où et toi? Oui. S'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas la laisser. Pas demandé si ce qu'il fait là, c'est quoi? Tu ne l'as pas demandé aussi. Hein? Ah, quelqu'un qui vient te dire ce que tu fais là, ce que tu fais, c'est bon. Pose la question. Mais tu fais quoi qui est bon? Elle t'a dit ça. Et puis tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu là-bas? J'ai juré. J'ai un peu quitté. Ils t'ont rien donné. Et après ça, tu as tué. Tu as fait tuer qui? Où elle est? Venez. Donc il est affiché. Comment? Il a livré. Pourquoi? Il a livré. Comment? Pourquoi? Tu ne suis pas bien. Elle t'a entouré du feu. Elle comment tu as arrangé? J'ai parlé là-bas. Mais moi, il y a un canal, il a dit que maman a fait accoucher. Et puis, il a vu le médecin qui venait, il a bloqué ça. Quatre bénédictions. L'agent doit venir. Comment tu vois que c'est l'agent qui doit venir?
Elle met son argent. Tu as pu mener le canari. Tu as fait comment? Toi, il y a un canari là-bas. Ça fait quoi encore? Elle a fait un champ. Ça n'a pas pour lui. C'est où? À Divo. Champ de quoi? Igname. Ça n'a pas produit. Qu'est-ce que tu as fait? C'est nos voisins. Elle ne voulait pas que le champ vive. Et elle est venue à Divo il y a longtemps. Non. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est pour toi. Oui, elle a aidé. Quand je t'écoute, pour toi que tu as fait, c'est ce que ton voisin a donné raison. Quand il s'est c'est une manière. Mais la seule chose, c'est chier de péter là-bas, c'est tout. Tout cela, il peut l'arracher à vue à associer. C'est la même chose, c'est la même temps. Philippe est bien voisin. Quel voisin t'a dit? Un voisin a besoin d'être fondé. Si la personne est associée, elle est gâtée, gâtée. C'est toi qui vas gâter, tu es mieux placé pour gâter. Tu dis, on m'a dit de gâter. Donc c'est toi qui gâtes. Un voisin a besoin de t'aider. Tu as fait quoi? Il était encore vivant. Hein? Donc maintenant, tu es blanc et jouer ton jouet, quoi. Tu parles un peu, tu mens un peu. Non, sur les prostitutions. Ah, ça y est, d'abord l'initiation, on sait comment tu inities. Parce que tu envoies là-bas, tu dis que tu vis ta jurée, là, c'est prêté, ce truc. Mais pas. Entre donnant du sang et de la chair, ça n'a pas été fait. Hein? Il ne t'a pas donné le sang. Il ne t'a pas donné la chair. Tu as bu. Donc, en principe, tu dois aimer quelqu'un. C'est qui t'a tué? Non. Je n'ai pas de parler de maladie. Normalement, en principe, ici, là, tout le monde le sait. Un sorcier, pour avoir droit à la parole dans la confrérie, parce que tu as donné le sang et la chair, tu dois forcément tuer quelqu'un. Dès que tu tues, tu deviens fort. Tu peux parler. Ah, mais lui aussi, il a donné pour lui la manger. C'est pas comme ça avant cette phase-là. Alors, donc tu as tué qui? Et ta main, c'est ta tante, tu ne l'as pas tué. Mais tu as tué quelqu'un. Pour avoir droit à la parole. Avoir fait cette force même d'aller déféquer même dans le champ de ta maman. C'est que tu as une force. C'est que là-bas, même son tête. Ça veut dire quelque part, tu as tué. Tu as tué. C'est pour cela que la société est dangereuse. Parce que quand quelqu'un dit l'esforce, il n'a pas tué moi. Tu es libre, hein? Nous sommes en train de t'aider. Tu es libre. Tu es qui? Il est mort. Ouais. Faut laisser ça là. Tant qu'il n'est pas rentré sur la terre, on ne peut pas te donner la possibilité d'être encore dans la confrérie. C'est pas possible. Petit, tous ceux les connaissent comme on arrache à lui. Ou bien toi viens. Tu es sorcier, non? Oui. C'est pas qu'on a des bases là-bas. Viens ici. Et où est l'ancien sorcier? Comment c'est pas là? Comment c'est pas là-bas? Quand tu donnes, tu t'as donné la parole. Quoi t'as donné pour toi? Qui a donné qui? Mais qui t'a tué? Elle est morte. C'est elle qui t'a donné. Pour avoir droit à la parole. Célestin. Comment ça se passe? D'abord,
pas avalé le micro. Tu donnes pas quelqu'un. Tu donnes quelqu'un qui est à ta gloire. Si tu ne veux pas donner quelqu'un, tu ne veux pas. Laissez là. Quand tu donnes quelqu'un, d'abord. D'abord, et puis, on t'assigne. On te fait asseoir. On te fait asseoir. Ça va bien. Hein? C'est pas la question qui est posée. On n'a pas dit qui est aussi. C'est ça qui est posé. Ici, la vision, on ne pense pas. Hein? On ne peut pas te contraindre de parler. C'est libre, regarde le Dieu. Ici, la vision, si tu veux, tu t'en vas tranquillement, puisque tu n'as pas besoin de devenir délivré. Tu as tué qui? C'est la même chose que toi. Ils t'ont pas donné ça. Tu as bu, quoi, je crois. Ils t'ont donné la chair humaine. Tu as mangé. Ils t'ont dit quoi après? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Après avoir donné ça, la chair, ils t'ont dit quoi? Alors, tu vas jouer sur la musique, c'est quelqu'un, c'est qui? Et puis, ils m'ont délivré. Petit, si tu es devant nous, c'est que tu n'es pas délivré. Petit, hey, si tu es devant nous, c'est que tu n'as jamais été délivré. Tu n'as pas délivré. Tu as pourquoi ici? Elle dit qu'on est. On t'oblige, mais tu as fait. Hein? Nous, on t'oblige de dire ce que tu n'as pas fait, moi, ce que tu as fait, tu as dit. Ce que tu as fait, là, que tu as dit. Tu as fait. Tu as fait de qui? On a l'impression que tu as peur. Tu as peur de parler. Il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Il n'a qu'à parler fort. Il est là depuis quand? Il est là depuis une semaine. Petit, tu ne veux pas être délivré, c'est ça? De quoi? Hein? Si nous on parle à ta place, c'est pas bon. Dans la délivrance là, on ne dit pas voici ce qu'il a fait. C'est ce que les gens jusqu'à. C'est pour ça que d'autres échouent. Ce n'est plus aveu, c'est révélation. C'est différent. Aveu et révélation, c'est différent. Ce que tu as fait, c'est ce que tu dis. Nous on te débarrasse de ce mauvais esprit. Ceux-là, c'est des gens qui sont très très rusés. Tu choisis quoi? Partir, chercher à te délivrer, tu fais quoi? De quoi? C'est une chose, c'est pas vrai. On a beaucoup de gens libérés. Vous êtes sorciers, vous pouvez parler. Oui, comment t'appelles? Hein? La poupée du Gérard. Tu es sorcier? Oui. Tu es sorcier? Oui. Comment t'as donné? Et c'est quand je dormais qu'il est venu me chercher et parler dans l'autre monde. Et là-bas, il m'a initié me donnant du sang. Alors, maintenant, il y a la première blanche.
Il m'a dit de tuer un homme de ma famille. Alors là. Maman, c'est ça. Hein? Il y a une problème, c'est ça. De tuer, c'est ça. Depuis tout le monde, il prie. Quand j'ai tué César, c'est moi qui suis venu le voir là-bas. Le je fais aussi l'argent de ma maman pour mettre dans un canari. Ça va aller où? Non, non, quoi là? J'ai aussi programmé ma grande sœur. Comment ils attendent là? Le 7 août. 7 août, mais on t'a voulu. Ça là, là, là. Evelyne. En combien? Elle est là. Est-ce qu'elle est là? Bon, je suis ici. Oui, alors? Je suis ici, Dieu. Le bouquet, ma petite soeur, Poubo, et j'ai introduit le sida dans ma petite soeur, Poubo. Et nous allons alors, Eve, ils ont aussi d'abou. Ok, mais Chris. Ma grâce aussi, j'ai fait une maladie, j'ai arrêté de me à moi à Bidjan. Quelle maladie? Non, 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 non